Tu faisais ta casse à qui? Coucou, Cherce. Tu savais que ta casse à qui? Où est-ce que tu vas te trouver? Tu as ton idée? Là, le CEU, Sophia. Où est-ce que tu voudras te chier ta? Tu as choisi ta table à qui? À qui? Une grande table. Père Sophia. C'est après ça de rentrer en CEU? Après 13 jours de vacances, j'ai déjà envie de tourner. Tu t'ennuies avant d'aller à l'école déjà? Après 13 jours et des vacances, c'est que vrai? J'ai déjà verre avec mon père. Ah, tu sais, près ça de des verres, comment on va essayer de passer un CU? La Calandrette, c'est une association qui a en fait dans ses statuts deux objets. Le premier, c'est la préservation de la langue et de la culture occitane. Et le deuxième, c'est de concrétiser cette préservation en accueillant des enfants dans une école bilingue occitan-français. Dès l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, et pour toute la scolarité maternelle et primaire. On procède donc par immersion, dès que les enfants entrent à l'école, on leur parle occitan continuellement, toute la journée. On est une école à petits effectifs, donc petite structure, une pédagogie individualisée, où l'on avance à son rythme, tout en suivant les programmes, bien sûr. Une pédagogie active, c'est des institutions, c'est-à-dire une pédagogie institutionnelle, inspirée du mouvement freiné. Elle permet donc aux enfants d'acquérir beaucoup d'autonomie. On les responsabilise un maximum. Qu'est-ce que tu as cassé le carton? Attendez, il y avait quoi dans le carton, là, tous les jouets? Il y avait les doudous. Eh bien, les doudous, non, il faut les laisser dans le carton. J'ai choisi la Calandretta pour l'enseignement de l'occitan et puis pour sa pédagogie participative et les petites classes en petit nombre. L'enjeu de choisir cette pédagogie, c'est qu'elle prend en compte le rythme de l'enfant, ses choix, ses envies, ses humeurs, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime faire. Lorsque j'ai inscrit mon fils, c'était avant tout la recherche du bilinguisme et le côté préservation en fait d'une langue qui est une langue de la région, parce que je considère que c'est très important pour les enfants d'avoir des repères et des racines, et que ça permet effectivement de concrétiser en fait un petit peu un attachement à la région dans laquelle on vit. Bonjour. Je trouvais que la pédagogie était très intéressante. Donc faire en sorte que l'enfant fasse partie d'une communauté et une responsabilité par rapport aussi à cette communauté. Mon compagnon est originaire du Limousin, ses grands-parents parlent occitan et donc il a baigné là-dedans depuis tout petit. Nous voulions tous les deux en fait que notre fils puisse apprendre aussi l'occitan. On a beaucoup de parents qui s'investissent de manière très variée en fait dans l'école. C'est un choix aussi, c'est une des conditions pour les parents pour l'adhésion à cette école, c'est d'y travailler aussi et d'y participer à quelques niveaux qu'on puisse y participer, selon ses talents, selon ses possibilités, selon son temps. Comme ils avaient besoin de personnes, de renforts pour un peu ranger, j'ai aidé cette semaine. Et là, j'aide encore aujourd'hui à préparer les lieux, finaliser, on dira, parce que c'est presque fini. Là. On va avoir environ 45 élèves pour la rentrée. Et on espère qu'on aura d'autres élèves qui vont nous rejoindre dans le courant de l'année, puisqu'on a encore de la place pour les accueillir. On a la chance d'être dans de nouveaux locaux. Et donc, voilà, tout est prêt pour qu'on puisse maintenant avoir un projet qui se développe, même si ça n'est pour l'instant qu'une parenthèse finalement dans toute une grande scolarité. C'est une longue parenthèse quand même, parce qu'on peut rester 8 ans dans cet environnement et ça permet vraiment de capitaliser sur des valeurs qui sont importantes pour notre société.